Après, si je peux me permettre de construire Fatboy en même en parallèle de ça, ça m'arrangerait. J'aimerais bien en fait construire Fatboy et Bombardier, mais là je vais pouvoir refaire. Une fois que j'ai fini ma production terrestre, je vais pouvoir refaire. Ouais, c'est ça, je peux me permettre. Voilà. Cette armée peut bouger. Alors ici, qu'est-ce qui reste? Une usine terrestre. Il me reste à dégommer ici, après il n'y a plus qu'une base aérienne au nord. La base terrestre sera bientôt morte. Déjà ça. Voilà. En fait, à force d'envoyer vos bombardiers, vous dégommez aussi leur puissance anti-aérienne. Que leurs fortifications qui sont positionnées un peu partout, ben, au bout d'un moment, vous les réduisez. Ou des robots de siège, ça fait mal. Ah, j'ai pas vraiment terminé trop pour ces robots de siège. Un visuel sur le dispositif. C'est impossible. On dirait l'un des prototypes conçus par le docteur Brackman. Détruisez-le, il faut absolument communiquer avec le QG. Dostia, terminé. Bon, ils ont quasiment plus rien de volant. Ça ira bientôt mieux. Mais bon, faut encore construire des troupes. À quelle vitesse les petits drones? 46. Alors 46 sur 210. En fait, je me demande en fait ça. Ça représente 22% de la construction d'un ingénieur de Tech 3. Enfin, d'un UBC de Tech 3. UBC de Tech 3 qui correspond à 6 ingénieurs de Tech 3. Sauf erreur dans mes calculs dernièrement. Bon, j'avoue, j'y vais peut-être un peu fort pour tous mes bombes quantiques que je garde, mais bon. Je pense que c'est normal, hein, faut raser un peu cette base aérienne. Alors les canons anti-aériens sont pas très efficaces comme j'ai dit, mais bon, quand il y en a plusieurs, quand il y a quelques avions, c'est pas un problème. J'adore les explosions de ces bombes de bombardement. Encore, vous n'avez pas vu le dernier prototype qu'on ne pourra voir que dans la dernière mission. Bon, d'accord, j'avoue qu'ils sont peut-être un peu fumés, le dernier prototype. A savoir que cette faction n'a que 3 prototypes aussi. J'y pense là, mais... Bon, c'est aussi un peu normal, c'est comme les autres factions, ils ont autant de troupes, en fait, ils ont autant qu'initialement des autres. Les autres en avaient 3, eux ils en ont 3. Je crois que la bombe a tapé devant. Ouais, a tapé devant le bouclier.
tellement jouissif ce bombardier. Détruisez le brouilleur. Vite! Les Séraphims peuvent attaquer à tout instant. Ah, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ici, je vais refaire des fat boy là. Ouais, bombardement. Youpi! C'est tellement jouissif. Après, on se demande comment ça se fait que la Terre ait été rasée si vite. Vous imaginez une armée de bombardiers comme ça? Enfin, vous avez vu dans la cinématique déjà la taille du bombardier déjà. Encore une fois, référence à toute première vidéo que j'ai fait sur le jeu. Bon, la cinématique initiale. C'est fait. Les fat boy là sont bientôt faits aussi. Et maintenant on peut finir le brouilleur. Bon, je sais, c'est une vidéo encore assez longue comme toujours, mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Alors 37 000, 52 000, 15 000 dégâts par bombe. Ah vache. Ouais, c'est ça. 15 000 dégâts par bombe, il me semble. C'est ça, 15 000 dégâts par bombe. C'est pour ça qu'une bouclier de tech 3 résiste à leur frappe. Enfin, leur bouclier de tech 3. Cela d'AFTU ne fait que 14... Ah non, pile 15 000, donc il absorbe une fois une bombe et c'est tout. Et si Bran, ça doit être 14 000, je crois. Oh. C'est pour ça qu'en fait, quand les ici il y a que le générateur de tech 2, c'est pour ça que les boucliers sautent en même temps que penser à la bombe quantique dessus. Enfin, la bombe stratégique, expérimentale. Le dispositif est détruit. Dostia au QG, répondez! Ah, c'est tellement jouissif qu'ils aient bombardé comme ça. Il y a au moins deux sillages quantiques, il faut... Les Séraphims ont un dispositif de brouillage qui nous empêche de déclencher le rappel. Il est hors de notre zone opérationnelle. Vous devez trouver une contre-mesure. Accrochez-vous, nous vous sortirons de là dès que possible. Informez le général Hall que nous avons été trahis. Ce brouilleur a été conçu à partir d'un prototype top secret créé par le docteur Brackman. Oh non! Des centaines d'unités ennemies arrivent sur moi! Sortez-nous de là, QG! Zone d'opération élargie. Commandeur d'élite, quel est votre statut? Je suis submergé. Mes défenses faibles. J'ai un visuel sur une UBC, mais elle n'est pas Séraphim. Elle est Cybran. C'est de la folie de s'opposer au maître d'Ostia. Vous allez payer pour votre insolence. X5. J'aurais dû me douter que si quelqu'un pouvait trahir notre père bien-aimé, ça serait vous. Je vais vous faire avaler vos insultes. Adieu, Ostia. Ah ! Je suis attaqué de tous les côtés ! Ils sont trop nombreux! Bien trop nombreux! Commandeur d'élite, vous me recevez? Commandeur, il reste des unités ennemies qui se dirigent vers vous. Tenez votre position jusqu'à ce qu'on puisse vous rappeler que j'ai terminé. Faites de votre mieux pour survivre, commandeur. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous perdre aussi vite. Terminé. Ce n'est que maintenant que vous appréhendez votre situation. Nous savons ce que vous savez. Nous voyons ce que vous voyez. Vous ne pouvez rien contre nous. Allez, on va survivre. La fin
de l'humanité approche, nous vous exterminerons. Bientôt, le maître dominera tous les cibrans. Ils se prosterneront devant lui. C'est bon, le premier bouclier. Le premier est tombé. C'est pour ça que j'ai autant de défense. Et que j'ai prévu aussi autant de bombardiers. Sûrement tout ce qu'elle perd, tu vas pouvoir raser toutes les bases, mais bon. En fait, si jamais vous arrivez à raser toutes les bases, vous accélérez en fait la fin de mission. Mais bon, je doute d'avoir assez de temps. Bref. Et les Fat Boys servent de lourdes lignes de défense en complément. Après voilà, la défense est assez simple du fait que j'ai une défense ultra lourde. Falloir encore du temps avant de vous tirer de ce guépier. D'ici là, restez en vie, puis j'ai terminé. Allez, 13 minutes à tenir. Avec des bombardiers stratégiques, ça va aller vite. Ici, il y en a un qui est arrivé là. A savoir que si vous jouez en difficulté inférieure, il y a aussi des robots d'assaut expérimental, mais ils sont pas gradés. Là, ils sont grade 5 en fait, ces robots-là. C'est pour ça qu'ils ont autant de PV. Et généralement vous raserez le sud en fait avec vos troupes si vous êtes bien géré, vous pourrez raser les ennemis au sud mais pas au nord en fait. Et la petite base, les bases là aussi, mais au nord généralement c'est. À moins de vraiment prévoir le nombre de troupes nécessaires pour vous y arriverez pas. Encore un prototype ici qui s'est cassé la gueule. Peut-être ça pourrait avoir un bouclier personnel. Au cas où. Donc voilà, Dostia est morte dans cette mission à cause d'X5. Encore quelques minutes, commandeur. Accrochez-vous. Ah. Et vous, on rase tout. Après vous pouvez faire des prototypes d'artillerie expérimentale avec cette faction aussi. D'accord, prototype peut attaquer, on a vu. Ah non. Il y en a un autre ici. Vu le nombre de prototypes qu'on a déjà démolis. Trois ici, au sud, 4. Enfin, il y en a un cinquième qui peut revenir, 6. Bon, c'est que il y a beaucoup de fighters tech 1, donc là j'ai pas trop à craindre normalement. Comme prévu, le bouclier résiste à première frappe, n'est pas au suivant. Et l'artillerie s'occupe de l'artillerie adverse. C'est pour ça l'artillerie est importante à prévoir. Sinon, vous risquez d'être envahi sous les obus d'artillerie adverse. Ce qui pourrait se montrer. Problématique. En fait, je vais peut-être bien tous les raser, ça continue à ce rythme là. Youhou! Je
Bon, faut dire qu'aussi la base d'Ostia, comme elle a été protégée, hein, comparée à la mienne, c'est quand même pas la même. Ouh, il y a deux robots d'assaut au sud. Eh ben, ils ont survécu. Voilà, ils en ont envoyé deux de plus et j'ai survécu. J'ai perdu une partie de mes défenses, mais bon. Pas grave. Ouais, ça, c'est rasé. La porte est verrouillée sur Hadès. Encore deux minutes. Terminé. Encore un prototype. Bon, ils en construisent pas des prototypes, c'est tous les prototypes qu'ils ont au début, qu'il faut démolir un à un. Ils en vont en fait par vague leurs prototypes. Encore heureux, vous imaginez, ils avaient tous les prototypes à la fois. Bah ici on a eu deux en même temps ici, ou trois, je sais pas, mais on a failli, ça a failli passer. Hein. Mais bon, c'est pour ça que j'ai des fat boys en plus, en complément, c'est toujours pour renforcer un peu les défenses, que sinon ça passe pas. Ah regardez, d'accord, c'est indestructible celui-ci, pas plus mal. Allez, deux minutes. Et les minions, voilà, les derniers prototypes vont être envoyés là. Yala, yala. Vous connaîtrez le même sort que Riley Clark. Adieu, colonel. On tiendra bon. Le côté droit c'est bon. Ah putain, il a traversé. Je sais pas qu'on peut passer. Bon, lui il est mort. Lui il devrait être bon. On a verrouillé votre UBC. Encore quelques secondes. Accrochez-vous à votre siège, commandeur. Ça va secouer. Rappel. Échappé belle, commandeur. Content de vous retrouver en un seul morceau. Alors, c'est tout à fait normal. Quand vous, sur cette mission, quand le rappel se déclenche, vous avez une explosion atomique sur votre position. Ma chère Dostia est morte. Abattue par l'un des nôtres. Je suis sans voix, mon petit. Sans voix. Nous approchons de la victoire et pourtant des êtres nous sont proches, sont capables de nous trahir. Nous devons nous occuper de l'IAQ. Ah oui, et de X5. Certains crimes sont impardonnables. Vous savez quoi faire. Voilà. Donc on s'engage cette bien en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, porte bien. Et à tout le monde. On commence à cette bien en ma compagnie.